je trouve que cette rue a une ambiance très particulière grâce aux cigales et au fait qu'il n'y ait pratiquement pas de voitures et que ce soit une rue pavée qui est bordée et d'un canal et de toutes sortes de bâtiments historiques, religieux. Et ça donne quelque chose de très particulier. Et j'ai l'impression que les gens sont plus détendus que dans le reste de la ville. Et aussi, je trouve qu'il y a un grand respect, par exemple, des gens qui ont envie de montrer leur spectacle. Et ben, les passants vont toujours écouter, même s'ils vont être submergés de propositions, et ben, ils vont toujours écouter de manière polie et agréable. À la recherche de l'oiseau bleu, un conte pour tout public d'après Metterlinck, tous les matins à 11h au Bourgneuf. Mais pour se balader à Avignon, je crois que c'est un endroit qui est incontournable, la rue des Teinturiers. Ça fait partie des endroits où on passe forcément à Avignon quand on se balade dans le off, même dans le festival en général d'ailleurs. Ici on y trouve des restaurants, il doit y avoir une dizaine de théâtres, je pense. Et puis voilà, on est sous les arbres, on est au bord de l'eau, c'est très agréable, quoi. Et ce que je trouve très beau, c'est que c'est beaucoup d'artistes qui se battent pour exister. Alors il y a presque trop de spectacles par rapport aux spectateurs, mais au moins on sent qu'il y a une très belle énergie et chacun a envie de défendre son petit morceau d'art et de création, quoi. Qu'il y ait le plus de choix possible, je trouve ça vachement bien. Qu'il y ait des one-man shows, qu'il y ait du théâtre classique, du théâtre contemporain, genre des ballets de danse. De toute façon, c'est le public qui fait le choix après, qui sélectionne. Donc, La rue des Teinturiers, j'ai l'impression que c'est un peu le symbole du off d'Avignon. Enfin, c'est l'âme en tout cas du off.